Messieurs Richer et Miller, ça fait 20 ans que vous me baladez. Dites-moi, vous n'avez pas une nouvelle idée pour être bien sûr d'être à côté de la plaque encore une fois? Là, on a inventé la machine à remonter le temps. Les années 80. Ces deux types qui se connaissent depuis l'enfance, qui sont un peu à la loose, qui galèrent donc de boulot en boulot, qui sont assez mauvais dans ce qu'ils font. Et un jour, ils ont une idée qui les habite complètement. Et ils vont décider d'aller chercher tous les chanteurs des années 80 qui sont aujourd'hui, au moment du film, oubliés, à la limite ringardisés, on n'en parle plus, ils sont has-been. C'est des types qu'ils n'existent plus. C'est là où tu... Ils sont pas là, je peux le dire, ils sont pas là. Et Alec, tu comptes pas mettre ça ce soir? Bah si, c'est mon costume de scène. Ah oui, t'as eu ça où là? C'est Laurent Voulzy qui a fait un vide-grenier. Non, non, on a dit on prend les tubes de l'époque, hein, pas les costumes. Pile, on va faire un carton. Face, on va faire un carton. On va faire un carton. On va faire un carton. C'est une success story, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est ce qui nous a aussi motivés à faire ce film et à prendre du plaisir. Si j'ai pas Cookie Ningler, je la fais pas. Oui ou pas? Je le connais, hein. S'il a pas Cookie Ningler, il la fera pas. Ça, je le connais, c'est vrai. Non, je le connais, mon Vincent. Je connais. Il a pas Cookie Ningler, il la fera pas. C'était serré, des fois. Il perd le contrôle, des fois. Je suis le seul lucide. J'ai l'air du gogol, mais je suis le lucide. Il n'y a jamais une bande qui part de gens que... Oh, il y a une moto. L'histoire lead de notre film, de ce film, c'est ces rapports humains entre tous ces gens et nous. Et bien sûr, en toile de fond, il y a toutes ces chansons, puisqu'ils vont renaître. Je lève mon verre à cette troupe merveilleuse. Non, mais c'est le public qui est merveilleux. Exactement, c'est le public. Mais en tout cas, encore un grand merci pour tout. Vous pensez que vous pourriez m'obtenir une autographe de Sabrina ?